Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Laser Painting Tour, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que ça va être une interview à la cool et je reçois mon ami et illustrateur Alan. Salut Fab. Salut Alan. Comment ça va? Bah écoute, ça va, super content que tu sois là pour cette première interview de Laser Painting Tour. Et bah écoute, ça me fait vraiment super plaisir d'être là en tout cas. D'autant plus que tu m'as fait travailler, j'aimerais que je fasse un décor de Star Wars juste pour toi. Tu me reçois dans ce magnifique décor sur ton balcon. C'est ça, un balcon personnel avec même des voitures qui nous passent dessus. Ah, c'est vraiment très très bien fait, j'avoue que tu nous as vraiment plongé dans un endroit magnifique là. Alors Alan, pour ceux qui ne te connaissent pas, graphiste, illustrateur, tout ça sur l'air toulonnaise. C'est ça. Toi tu as 33 ans. Voilà. Ça fait un petit moment que tu travailles ton trait et que tu évolues dans l'univers de la BD. C'est ça, je dessine, on va dire, depuis que j'ai 10-12 ans, pas en continu, mais sans jamais vraiment lâcher l'affaire une petite semaine ou un petit mois. Moi je te connais, je sais que tu travailles beaucoup, tu es tout le temps en train de dessiner. Le milieu de la BD, comment t'as mis les pieds dedans? En la lisant, c'est le fait de m'être envoyé des kilos de BD depuis que je suis petit qui me fait me dire qu'un jour j'aimerais bien en faire moi aussi et faire kiffer autant que j'ai kiffé à les lire. Tu as commencé par les mangas, tu as attaqué tout de suite le comics parce qu'en même temps les gens peuvent voir donc les rushs que tu as accepté de nous apporter. Mm-hmm. Donc on voit qu'actuellement tu es plus dans le comics. Oui, ça c'est des recherches. Tout de suite attaqué ce trait-là. Non, j'ai commencé par un peu de manga pour me faire la main quand j'ai commencé à dessiner et puis refaire des personnages. Plus tard, j'ai refait des personnages de comics. Et voilà, quand je me suis remis vraiment à dessiner, j'avais énormément de comics sous la main et je m'inspirais énormément de ce que je voyais, de ce que j'avais comme BD sous la main, qui était principalement beaucoup de Marvel, énormément d'X-Men, énormément de Spider-Man. Alors ton actualité aujourd'hui, je sais que tu as plusieurs projets, il y a des projets de BD, donc je crois que tu peux pas trop parler. La BD, c'est surtout que je n'ai jamais trop lâché, mais j'ai jamais trop commencé non plus, du coup je suis toujours en recherche de la bonne idée à exploiter avant d'attaquer. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a une actualité pour le moment où on m'a commandé quelques œuvres pour deux expos. Voilà. Sur donc, Brignol. Une qu'on a aujourd'hui, que tu nous as apportée, juste là. Voilà. Donc, on peut voir que c'est un crâne. Alors, raconte-nous l'histoire de ce crâne. Alors déjà. En fait, c'est une expo qui s'appelait Les Vanités à Brignol, qui était une expo qui tournait sur le crâne en fait, dont la thématique était le crâne, d'une artiste qui était venue présenter des grandes toiles, grand format, avec que des crânes à la peinture, sur toile. Et donc la propriétaire de la galerie nous a demandé, moi et deux amis, d'enrichir un petit peu ça avec nos œuvres à nous. Et elle nous a commandé une œuvre chacun pour l'expo. Du coup, moi je me suis lancé là-dedans, dans une réalisation un peu plus dans le style tatou et corsaire, pirate, voilà. Avec le drapeau. Alors c'est une réalisation, c'est sur papier, c'est du Colorex sur papier. Alors le Colorex, c'est un dérivé d'aquarelle? Alors le Colorex, on pourrait qualifier ça d'aquarelle liquide, effectivement, c'est un pigment très très riche, mais qui se présente sous forme de liquide plutôt que de pastille à délayer. D'accord, combien de temps pour l'œuvre là? Genre une cinquantaine d'heures, à peu près tout mis bout à bout, pendant les séchages et tout. Du rough, sachant qu'il y a du rough, du décalque, et puis une réalisation directement dessus. Ben écoute, en tout cas, le résultat il est assez surprenant, je trouve ça vraiment très joli. J'ai apporté ceci.
ce magnifique ouvrage qui s'appelle Kingdom Come, qui est fait par, pour moi, un des plus grands illustrateurs contemporains, qui s'appelle Alex Ross. Alors celui-là est réalisé par Mark Waid et Alex Ross, Mark Waid au scénar et Alex au dessin. Et bon, je trouve que pour moi, ce mec est vraiment juste le meilleur illustrateur, et c'est celui qui me met les plus grosses claques visuelles pour le moment. Alors pour bien comprendre qui est Alex Ross, en règle générale, les amateurs de BD, ils choisissent leur BD sur le fascine, c'est-à-dire sur la couverture. Couverture. Et en règle générale, le fascine, il est fait par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus travaillé que le trait qu'on va trouver à l'intérieur de la BD. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. On est souvent déçu, la plupart du temps, quand on prend des BD. Et là, pour le cas d'Alex Ross, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'il a commencé par faire des fascines. Ouais, il a réalisé beaucoup de covers. Étant donné que c'est un illustrateur plutôt qu'un dessinateur, on va dire, ça lui prend beaucoup plus de temps pour réaliser des planches. Pour les peindre en tout cas, et du coup je pense qu'au début on l'a plus commandé comme cover plutôt que comme illustrateur complet quoi. Là pour le coup il a fait dans celui-ci c'est lui qui fait toutes les illustrations à l'intérieur. C'est magnifique ça. Voilà, alors vous avez peut-être un peu de mal, je pense qu'on va zoomer plutôt par là pour voir des images de ce que fait Alex Ross. Ce serait une bonne chose de montrer quelques images, quelques gros plans, histoire de voir un petit peu la qualité technique. Mais en gros, vous avez des couvertures sur toutes les pages, quoi. C'est assez hallucinant, ça doit prendre un temps fou de travailler comme ça, et je pense que c'est pour ça que ce genre de BD ne voyait pas le jour avant, parce que ça doit prendre vraiment beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'après photo, il se fait réaliser beaucoup de costumes, c'est-à-dire que souvent les personnages qu'on voit costumés, c'est le cas de Superman dans celui-là, c'est une vraie personne qui existe, qui d'accord, je savais pas. C'est un véritable, c'est une vraie personne qui vient pour des séances photo chez Alex Ross et qui le met en scène directement et qui le repeint après derrière. D'accord, c'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça qu'il travaille. D'où le rendu vraiment très photoréaliste. Comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. J'essaie de trouver un petit peu, mais je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça doit déjà être là de toute façon. Donc, merci pour ce gros plan sur Alex Ross. C'est vrai que je connaissais déjà cet illustrateur que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, on vous invite tous les deux à découvrir, si vous ne connaissez pas déjà Alex Ross, à découvrir son trait et son amour pour la BD, parce que quand on lit ses bouquins, on ne peut pas en être convaincu autrement. Les scénarios sont parfaits. Et c'est vraiment une bonne histoire celui-là. Je l'ai lu et vraiment l'histoire, on ne vous la révèle pas. Mais juste un petit indice, on va dire qu'on voit Superman dans l'ombre, c'est Superman à la retraite en fait. Donc si vous arrivez à visualiser un avant, un pendant Superman, vous arriverez à visualiser un après grâce à ce bouquin. On ne va pas se dire au revoir comme ça. Non, ce serait dommage. Tout. Bah, bien sûr, vu que tu es là et que le thème surtout de la Laser Painting Tour, c'est d'essayer le plus possible de terminer les reportages par des créations artistiques sur ordinateur. On va s'en faire une, juste après, que vous allez voir tout de suite, en fait. Et donc, le thème, c'est le transport. Voilà, on a tiré au sort, hein, parce que pour des problèmes techniques, c'est pas la première fois qu'on fait cette interview. Donc, on avait déjà tiré au sort le thème du transport. Et donc, vous allez découvrir tout de suite cette œuvre. Et je te remercie encore d'être venu. Et bah, puis, ça m'a fait grand plaisir. Au revoir à tous, en espérant que vous ayez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à soutenir sur la page Facebook, l'Asia Painting Tour. Oui. Et à venir régulièrement voir les nouveautés du site. Allez, au revoir. À bientôt. Art.